Ah ben t'es là. Je faisais semblant, hein. C'est pour rigoler, je suis pas un fou du volant, moi. Non, je fais attention. Quand j'avais 10 ans, à la télé, il y avait un dessin animé qui s'appelait « Les fous du volant » et leur drôle de machine, je crois, je suis pas sûr. Il y avait un chien avec un rire inimitable. Hein. Si ça te dit quelque chose, c'est que nous sommes de la même génération. Histoire de se rappeler, je te mets un extrait du générique. Bon sang, à travers brouillard et beau temps, avalant les distances, dévorant les étendues, triomphant de tous les obstacles, voici les fous du volant. Aujourd'hui, 50 ans après, ma route a croisé la route du GTT. Et tout particulièrement de Audrey, dans le rôle de la ravissante Pénélope Jolicoeur qui illumine ce tournoi de sa radieuse beauté. Et Jean-Marie, dans le rôle de le célèbre inventeur, le professeur Maboulette, au volant de son auto-aérofuseau planeur. Ils sont entourés de leur fine équipe, des joyeux lurons. La dingo limousine, avec piquet-collégramme. J'ai le plaisir de vous présenter le grandiose Takahut Tour. Bonjour, je m'appelle Audrey, j'ai 43 ans, je suis en fauteuil roulant depuis 23 ans. J'ai fait des études, j'ai eu un parcours professionnel assez riche en ressources humaines. Depuis quelques années, je suis un peu plus sur le partage et la transmission en lien avec le handicap, parce que j'ai la chance d'avoir un handicap, alors que certains pourront estimer lourd, mais que moi je trouve plutôt léger en fait. Et qui me permet de prendre la parole, en fait, de m'exprimer et qui, en fait, est un handicap visible. Et donc, c'est beaucoup plus simple, en fait, de parler du handicap. J'ai rencontré Mélanie Masbeuf qui, elle, est à l'origine de l'association Grandiose, qui est une association de père-émulation. C'est-à-dire que c'est l'expérience par les pairs, en fait, qui est parlante pour les autres et qui permet aux autres d'aller plus loin, en fait. Et ensuite, j'ai une autre rencontre qui est celle de Jean-Marie Marquet, en fait, qui fait partie de l'association Takahut, qui est une association d'échange de logements entre personnes handicapées. Plutôt que d'être tout seul sur son projet, il m'a demandé de rejoindre l'association Takahut pour rebooster un petit peu la dynamique de logement. Et de là est né le grandiose Takahut Tour, un projet d'itinérance handbike de 3 semaines. Avec aussi bien des personnes valides que des personnes en fauteuil. Et on est allé au devant des gens dans l'objectif de créer du lien social. Moi, je trouvais qu'en cette période de Covid, on avait beaucoup mis de côté le lien social. Je pense qu'au contraire, en fait, la vie, elle est courte et qu'il faut en profiter. Évidemment, il faut faire attention, mais en fait, le risque, il existe dans notre vie de tous les jours. Et on peut mourir à tout instant d'un tas de choses. On peut avoir un rêve qui peut paraître fou pour certaines personnes. On leur montre qu'en fait, il n'y a pas de limite. C'est juste ses rêves. Et puis ensuite, on les met en action, ça devient des projets. Et puis on les met en mouvement et là, on fait le projet. Dès lors qu'on a eu l'idée, il a commencé à se mettre en route. Ensuite, là, on est en train de le vivre. On a beaucoup de chance parce qu'on peut vivre et en vivant, en fait, ça encourage les gens à faire des choses, ça leur donne des envies. Et nous, juste, on vit l'instant, en fait. On en profite à fond et en plus, ça encourage les gens à le faire aussi. Donc, c'est super. Je m'appelle Jean-Marie Marquet, j'ai 41 ans et je suis tétraplégique en fauteuil roulant. Tétraplégique incomplet puisque j'ai la mobilité partielle de mes bras. Voilà, j'habite à Nantes, J'ai deux enfants et donc je suis en fauteuil depuis l'âge de 19 ans suite à un accident de trampoline. Et aujourd'hui, on est là, on s'est rencontrés hier avec Franz dans le cadre du Grandiose Takahut Tour. Donc le Grandiose Takahut Tour, c'est une itinérance en vélo et handbike qui se termine aujourd'hui. Elle a débuté donc le 22 mai, il y a un peu plus de 3 semaines là, donc 2021, de Parentis-en-Born, en dessous de Biscarrosse dans les Landes, et donc se termine aujourd'hui dimanche 13 juin à Nantes. C'est un événement un peu fou, ça me rend ému parce que c'est un peu la finalité de 3 mois de projet. L'itinérance, elle est constituée de 5 personnes, dont 2 en fauteuil roulant, Audrey et moi, et 3 autres personnes, Patrick et Cécile, des retraités, et Marina, qui a fait son stage en communication, qui nous a suivi là, sur l'itinérance, qui a fait des prises de photos, des prises de vues vidéo et qui a travaillé un petit peu sur l'aspect communication autour de ce projet. L'objectif numéro 1, ça a été pour nous de renouer avec le lien social en cette période de sortie de Covid, on espère. C'était vraiment ça, de se rencontrer, d'échanger. Sur ce point-là, c'est juste une formidable réussite. Personnes qui nous ont accueillis, qu'elles soient en fauteuil ou pas, ont toujours été d'une ouverture et d'une chaleur, d'une hospitalité. Enfin, il n'y a pas de terme pour décrire ça, parce que tellement c'était beau. Le fait de se mettre en mouvement au travers le vélo, ça nous a fait décoller là, et on est sur un petit nuage là au jour de l'arrivée. C'est parti! On va à la rencontre de l'éléphant. Waouh, c'est émouvant, hein. Ils sont très touchants, ils sont adorables, hein. Carrément inspirants, hein. Et comme le dit si bien le générique des Fous du volant, fonçant à travers brouillard, beau temps, ils triomphent de tous les obstacles. Ça leur va bien, hein. Audrey et Jean-Marie, c'était ce que j'appelle une vraie rencontre. Rien n'était prévu, je ne les connaissais pas 24 heures avant de les filmer. J'ai réalisé le reportage, je ne sais pas si vous vous rappelez, sur Jacotte dans sa roulotte, qui est conteuse. C'est elle qui, à la fin du tournage, m'a dit « Si tu veux, je te fais une proposition. Ce soir, mon compagnon reçoit un groupe de handbikers. Demain, c'est leur dernière étape. Ils arrivent à Nantes. Si ça t'intéresse, tu peux les rencontrer. » Puis qui sait, eh bien, effectivement, je suis allé dans la soirée les rencontrer et on s'est mis d'accord. Eh bien, je les ai accompagnés le lendemain pour couvrir cette dernière étape. Ce matin, ça y est, c'est parti. Made in France. Made in France est dans la place. Et j'ai, une fois de plus, bien fait d'écouter Jacotte, bien fait d'écouter mon intuition. La vie m'a proposé cette rencontre et j'y suis allé. Et du coup, voilà ces belles images et pour moi, une belle leçon. Depuis, j'essaye de marcher tous les jours, 1h30. Et quand je suis fatigué, ben je pense à eux. Je pense qu'ils aimeraient bien être fatigués comme moi quand je marche. Donc, s'il m'arrive de me plaindre, ben là je pense à eux et puis je relativise. Pour le montage de cette vidéo, il me manquait pas mal d'images, hein, puisque moi je n'ai accompagné que la dernière étape. Donc, je remercie Marina qui a bien voulu, avec l'association Grandiose et Takahut, me fournir les images complémentaires pour illustrer leurs propos. Le moment est venu de soutenir ma chaîne, mais aussi les actions des associations Grandiose, Takahut et Vélo-Volant. Par exemple, en vous abonnant, si ce n'est pas encore fait, en partageant cette vidéo, en mettant un pouce levé et en écrivant un commentaire. Pour en savoir plus sur ces associations, je vous mets divers liens dans la description de cette vidéo. A bientôt, salut!